étroite, longue, qui me fait penser à une sorte de petite chapelle White Cube. Elle est étroite et moi j'ai souhaité pousser les murs. C'est pour ça que j'ai proposé des œuvres d'angle qui à la fois dilatent l'espace et surtout lui répondent fortement. On n'oublie pas notre thème, c'est l'impermanence. Et le thème, au sens bien sûr très ouvert, très évocateur, très à rêver, ce qui m'a plu dans l'impermanence, c'est de partir d'une idée très simple, du mandala. Comment le mandala, le réalisant déjà dans le vocabulaire de forme qui est mon travail, s'interprétait ici. Cette pièce, qui est assez ancienne, qui a presque une dizaine d'années, que j'ai réalisée avec des amis accessoiristes et tapissières, est une sorte d'attrape-rêve, mandala, rayonnement de plumes de paon, qui s'interprète chaque fois de différentes manières, à plat, au mur, ou bien à l'occasion, à Chaumont, il était accroché sous un lustre à pampilles. Et ici, je tenais à en faire une œuvre d'angle, comme un livre qui s'ouvre et qui surtout, là aussi, se renforce par son occupation, par son occupation spatiale. Et de ce fait-là, cette sansevieria, qui est une plante qu'on retrouve beaucoup dans les films de David Lynch, une plante verte effilée qu'on appelle aussi le glaive de Saint-Georges, je l'ai réalisée en résidence à Rodez il y a 10 ans avec les compagnons du devoir couvreurs zingueurs, et elle était fichée dans un gros billot de bois. Depuis, là aussi, je l'ai interprétée en diorama avec des plantes préhistoriques dans un ensablé tige par tige, et donc ça constituait une sorte de paysage diorama. À Chaumont l'année dernière, elles étaient enchâssées les unes dans les autres avec un personnage de bois qui était comme un atlas naturaliste. Il était comme écrasé par la forme de nature. Et là, on est entre l'agave, la sansevieria toujours revisitée, enrichie de mes patines, fougères de roche, palmier phénix, aralia. Ce sont des végétaux que je patine moi-même et je leur donne une permanence, justement, parce que j'arrête le temps. C'est une manière de les minéraliser par la patine. De la même manière que ce rayonnement noir, à la poudre de graphite, le graphite étant le crayon à papier, si vous voulez. D'habitude, on s'en sert beaucoup pour tout ce qui est patine d'artisan, patine de... Les gens s'en servent beaucoup en mécanique auto. Et puis, bien sûr, dans l'art, on patine la patine, l'art de la patine. Et ce qui m'intéressait, c'était de l'interpréter, là aussi, sur quelque chose d'aussi intangible que le végétal. Et là, j'offre un rayonnement. Les ramures de palmier washingtonia permettent comme ça quelque chose de très baroque. Mais là, le baroque est quand même, disons, distancié par la patine noire, celle du graphite, et simplement posé sur une jardinière ancienne qui est toute moussue, offerte par un ami jardinier. Et là, il est question de temps, le temps à l'œuvre, puisque je fais souvent des choses qui sont funambulistes et qui tiennent comme suspendues. Et là, tout semble arrêté dans le temps et tout pourtant s'interpréterait différemment. Je me suis mis beaucoup la pression ici et pour les lieux et en discussion aussi tous ensemble sur une manière de revoir, relire et simplifier mon travail. Il est beau, c'est plus épuré. On est dans une sorte d'épure et ça m'intéresse parce que justement cette épure donne, je pense, plus de force, plus de clarté et distingue les œuvres. Et pour le spectateur, on est face à des rébus qui ricochent assez bien, où il est question d'harmonie, de beauté, mais d'intranquillité.